non. C'est fantastique. Un beau tome. Environ un bon 10 pouces de barbe. Fantastique. Je peux pas rêver de mieux. Matin, ça a mal commencé. Je me suis installé au même endroit que vous avez vu samedi passé, où on a filmé, moi et Christian, un magnifique tome qui a attaqué le même appelant que vous avez vu. Alors, après cette journée-là, Christian est revenu avec sa conjointe Isabelle, ça n'a pas bien été. Ensuite, Christian est revenu une autre fois. Ça a encore mal été, c'est un petit peu trop approché. Et finalement, ça n'a pas fonctionné. Alors moi, matin, je me suis installé au même endroit. Et j'ai appelé, il y en avait trois. Et ils répondaient, mais ils ont parti vers le nord, c'est-à-dire vers cette direction-là. Alors, à un moment donné, j'ai pris la décision, je dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste là ou je me déplace? Alors, j'ai choisi de me déplacer. Je me suis déplacé environ 500 pieds par ici. Je me suis réinstallé très rapidement. Et puis, j'ai appelé, mais il est arrivé un troupeau de vaches, au moins 50 vaches au travers de mes appelants. Mais par contre, je les entendais encore par ici appeler. Alors, j'ai pris encore l'initiative de me déplacer en espérant. Là, c'est vraiment risqué quand on se déplace parce que s'ils nous voient, c'est fini. Alors, j'ai avancé et j'ai trouvé ce champ-là très profond. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis installé. Puis, aussitôt que j'ai été installé, puis j'ai appelé, j'ai eu une réponse assez proche. Heureusement, il était dans le bois ici à quelque part. Alors, j'ai pas eu le temps de sortir ma grosse caméra Sony, puis de toute façon, j'aurais pas pu l'installer, mais j'ai parti la GoPro, et vous avez vu le spectacle. Je l'ai parti la GoPro, malheureusement, il était déjà arrivé, j'avais un problème de mal fonctionnement. Mais vous avez vu encore là qu'il a grimpé sur l'appelant, il l'a attaqué, il a tout fait. Et je l'ai laissé faire, et quand il s'est tourné de dos, là, je me suis aplonté. Et vous avez vu, j'ai fait le coup. Fait que c'est mon deuxième dindon au Québec. Ici André Veilleux pour Aventure qui vous souhaite des chasses aussi belles. Mais vous voyez, hein, encore ici, là, qu'est-ce qui fait la différence? C'est d'avoir un Jake. Parce que c'est tout le temps ça. Quand le tome arrive, il ne s'en prend pas à la femelle, il s'en prend au Jake. Puis après ça, il va aller voir la femelle. Alors, quand vous achetez des appelants, là, que ce soit un, deux ou trois, il faut absolument que vous ayez un Jake. Idéalement, un Jake et une femelle. Moi, j'ai deux femelles et un Jake, mais au moins un mâle, parce que ça le provoque. Vous avez vu, hein, c'est éloquent. Si ça continue comme ça, il va me le maganer. Je vais être obligé d'en acheter un autre. Lui, de samedi, a cassé ma baguette. J'ai dû prendre une autre baguette pour le tenir. Et donc, vous ne lésinez pas sur la qualité, puis actuellement, on est beaucoup dans le rut, alors c'est pour ça qu'ils sont agressifs comme ça. Alors ici, André Veilleux, pour Aventure sur TFS, je vous souhaite une aussi bonne chasse.